Hello. Alors, je ne ressemble à rien actuellement. En même temps, vous me direz, il est un peu ça. Vraiment, 6h30 du matin. Là, je suis partie de chez Flo, parce que j'ai mis chez Flo hier. Parce que du coup, il est beaucoup plus proche de la gare. Du coup, là, je suis en train de marcher vers la gare. Je prends mon Blablacar. Et ben, c'est direction Laval. Alors, il y aura des plans à l'iPhone, comme actuellement, parce que ma caméra est dans mon sac à dos. Et il y aura des plans à la caméra de vlog. Voilà. Du coup, eh bien, écoutez, j'ai un Blablacar à 6h40. Je crois que j'arrive pas à avoir encore une bonne dizaine de minutes. Je crois que j'ai envoyé un message au cas où pour dire que je vais être un peu. Peut-être 5 minutes de retard. Oui, ça oui. Et bah écoutez, je vous prends après. Hello! Ça y est, je suis arrivée à Laval, les gars. Comme vous avez pu voir juste avant, ma sale gueule est sur la route en train de marcher. J'ai mon Blablacar à temps, no panique. Vous commencez à connaître le décor derrière moi. Vous savez où je suis à chaque fois que je me trouve à chaque week-end lavallois. J'ai madame! On est très bien, hein, très accordé. Du coup, je suis arrivée chez madame, donc elle est venue me chercher. Je suis arrivée plus tôt que prévu en vrai. Je suis arrivée à 8h. Oui, oui, 8h. Je suis arrivée à 8h au lieu de 8h20. Alors, attends. Nanana. Oui, tu fais quoi aujourd'hui? T'as pas 10 minutes pour nous? Bah, j'y comprends rien. Parce que, en fait, Flavon nous a prêté son studio tout le week-end. Et on avait besoin de... Eva va rien, je comprends pas. En fait, je souhaite savoir si mon collier là, que vous voyez là, il peut aller sous l'eau ou pas, parce que j'ai la flemme de l'enlever à chaque fois. Du coup, comme je disais, je suis arrivée à 8h20. Non, 8h au lieu de 8h20. Beaucoup plus tôt. J'avais besoin d'une intraveineuse de caféine, donc du coup, on a fait un petit détour chez Maëva. On a pris un petit déj. Là, j'ai ma thermos pour la journée. Et là, du coup, il est actuellement 9h30. Devant, c'est derrière. Et actuellement, il est 9h30. Et du coup, on va au studio. Ouais, on va au studio pour tourner nos vidéos pour Moeva Coaching. Abonnez-vous, le Instagram est en bio. Du coup, là, vous avez une petite exclue quand même. Du coup, petite exclue exclusif. De Moeva Coaching, donc oui, il y aura des vidéos YouTube, c'est pour ça qu'il y a aussi. Je suis là aujourd'hui, je suis aussitôt sur Laval, parce que vous me connaissez, vous savez très bien qu'il y a 9h30, moi je suis censée dormir encore. Du coup, voilà, donc on va être parti parce qu'il est déjà 9h30 et qu'il y a du boulot, on en est au moins là pour une journée de 6 heures de tournage à peu près. Donc, bah, on se retrouve au studio. Bon, comme vous avez pu le voir du coup, on est au studio photo, on a tout installé, enfin Maëva a tout installé, enfin j'ai aidé quand même, hein, faut pas croire, elle a pas tout fait toute seule avec tous ses petits, petits bras. Du coup là on allait commencer le tournage parce qu'on a quand même quoi, une 5,
5-6 vidéos à tourner. Donc elle vient de se barrer. Bon, on a au moins ouais, 5-6 vidéos à tourner. Du coup, voilà. Là, on va faire d'abord les photos parce qu'il y a maman de Maëva qui vient d'arriver pour nous faire nos photos. On a des photos assez professionnelles pour le Instagram. Du coup, voilà. Et voilà. Du coup, bah, là, c'est parti. Shoot photo et après tournage. Let's go! Hello! Alors, on se retrouve le dimanche. Il est 15h. J'ai pas beaucoup vlogué hier. En fait hier on a juste fait des tournages, je vous mettrai des bloopers en extrait. Hop là, pas comme à la maison. C'est ça. C'est le principe. Yann, vu que c'est une deuxième vidéo, il faut qu'on refasse l'intro. Ah t'as raison. C'est vrai. Salut, c'est Morgane. Ah non. Vous n'êtes pas prête si vous voulez, nos bugs, tout ça, c'est trop drôle. Après du coup le tournage, on est rentré, on a fini, il était 15h, on a mangé quick, on est rentré. Et après ça on a fait une full sieste jusqu'à 17h30, après on a chill. Et après on a fait resto bar avec Maëva et Léo. Et voilà, on a juste kiffé, après on est rentré. On n'ira plus au chinois de notre vie. On s'est tapé une espèce d'intoxication alimentaire je pense. Moi j'ai vomi au bar, on a dû prendre Spasfon, Vogalen, autant moi, Maëva, Léo il était dans pas très bien aussi, il a pas vomi. Il y a que moi qui a vomi dans nous trois. Hein. En même temps mon corps il rejette direct quand ça va pas. Du coup voilà, là on est dimanche, du coup on a bossé ce matin sur Maëva, on s'est bien reposé aussi, parce qu'autant que Maëva et moi, vu qu'on bosse tout le temps, on était crevés. Donc ce matin on a fait petite race mat, bah, jusqu'à 10h30, bon Maëva s'est levé avant moi. À 8h, je t'ai réveillée. Ouais, et moi je me suis levée à 10h30. Et puis après, voilà, en tranquille, chill, on s'est posé, on a avancé sur Maëva. On a bien avancé aujourd'hui là. Là, on est. Là, en vrai, on est juste là, c'est pas qu'il fait. Là, c'est pratiquement que du détail. Hein ? Ouais, là, c'est que du détail, clairement. On a bien full avancé, c'est trop cool. Et. Du coup bah écoutez là il est 15h20, on va du coup au nouveau salon de Mélissa qui était ma prothésiste angulaire sur Laval, je mettrai son Instagram en barre d'infos pour ceux qui veulent. Elle fait de très belles choses, bah, vous pouvez voir, c'est la prothésiste de Maëva aussi, voilà. Je vous mettrai du coup son Instagram en barre d'infos pour ceux qui veulent. Donc maintenant elle a son salon à Saint-Berthevin. Donc là on va aller voir et moi je souhaite m'acheter une petite pierre en pendentif pour mettre sur le colis avec le flot. Parce qu'en ce moment j'ai des gros problèmes de concentration, je suis dissipée assez vite. J'ai du mal à bien me concentrer, je me distrais très vite et c'est problématique. Parce que d'autant dans mon travail de téléconseillère que dans mon travail avec Maëva, ça veut dire que je vais très vite décrocher et je peux pas. Je ne peux pas. C'est pas possible actuellement. On est d'accord. Hein. Un bichette. Du coup, bah voilà, let's go. Et puis bah moi j'ai mon babacar à 16h pour rentrer à la casa. À la casa pour retrouver bah, l'homme de ma vie. Et retrouver aussi mes chiens de bagou qui sont sur moi avant que moi je lui. Quelle triste vie.